Salut, c'est moi. Bah du coup c'est l'épisode 4, hein. L'épisode 4 de ce Let's Play, sur de ce jouons. C'est la traduction de Let's Play. Jouons sur Half-Life 2. Apprendre où s'en était arrêté, c'est-à-dire à Ravenholm. Une meilleure partie du jeu, enfin. C'est très clairement la meilleure partie. Alors, bon, ça crame toujours. Hop. Allons-y, allons-o. Hop, t'es mort. Faut aller où? Faut aller où? Faut aller là. Peut-être quelque chose là. Oh bah non, y a rien. Ça va me mener quelque part où je sais pas. Hop. Toi t'es mort toi, non? Voilà, toi t'es mort. Bzz. Du coup... Il y a une merde là. Alors, faut aller où? Fait très très peur. Je viens de me faire très très mal. Donc au final, comme dit le dicton, autant de peur que de mal. Fameux dicton très connu. Bon, j'ai perdu mon... Bravo mon frère. Frère. Utilisez mes pièges, mais prenez garde de ne pas y tomber vous-même. Derrière vous. Ça. Ravenholm, mieux vaut être vigilant. D'accord. Mieux vaut être vigilant. Je vais où? Je t'ai vu. Ah, je vous ai vu. De décéder. Alors, eh les zombards. Et paf. Paf. Au secours. Vous pouvez pas passer. Il est où le zombie? Oui, les zombies. Oui, les zombies. Il est hors. Oh, oh. Allez, les zombies. Les zombies. Il est là. Bam. Et. Bam. Ah, je prends le gros temps en même temps, c'est
Putain, mais quel porc! Voilà! De mieux en mieux. Je suis le père Grégory. D'accord. Je crois que vous connaissez déjà ma congrégation. Non. Qui es-tu? Ah, un temps de chargement. Hop! Pour mettre mon siège. Me gratter l'oreille. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Oh, changer d'arme. Oh, changer d'arme. Je suis un danger public. Ne vous inquiétez pas, mes balles sont le cas de tous. Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît? Je connais votre vrai visage. Mais aide-moi! Au revoir, hein. Mort. Tous autant que vous êtes. Mort. Mort, mort, mort. Tom talom. Je me perds tout le temps. Je connais le jeu, mais je me perds. C'est... Je sais pas. Peut-être con. On dégage. Non mais c'est ridicule. Ah, il y a une échelle là. Ah oui, non mais... Peu m'importe qu'il me traite de fou, car c'est vous qui êtes mon maître. Putain, ils sont en train de tirer comme un... Comme un déluré. Oh, le strike! C'était beau. Je vais prendre ce crochet de boucher. Et crocheter les zombies. Crocheter les zombies. Beaucoup de chargement, hein. C'est une partie qui charge. Boulum. Alors ça fait très peur, donc je vais m'en aller. Salut. Approchez. Vous avez réveillé les enfers. Voilà un homme de mon envergure. Voici une arme bien plus appropriée. Vous en aurez besoin. Attrapez. Hop. C'est bien. Ne le lâchez pas maintenant. Un conseil. Visez la tête. Silence. Ils arrivent. Ravenholm ne connaît pas la paix. Continuez. Je vous rejoins à l'église. Reposez-vous, mon enfant.
Allez! Allez, c'est parti. Pourriture sous-humaine. Cette partie n'est pas du tout stressante. Non, je ne stresse pas. Pas le moindre du monde. Cette partie du jeu n'éveille absolument pas en moi une envie forte de me dégager de là. Mais genre pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. OK. Vite se barrer de là, hein. Hop, par là. Par là non plus. Non, par là. Par là. Mais décède. Ah, cette partie du jeu, elle est quand même... incroyable! Alors, si je me souviens bien... Oula! Cela va être chaud. Tous mortes. Vous ne me faites pas peur. Je n'ai pas peur de vous. S'en va. J'ai tellement stressé cette partie en vrai. Et oh là, mais décède. Ah, je suis un idiot.
Je n'en pense pas moins de vous. Quel vent vous amène, mon frère? Cet endroit n'est pas pour vous. N'ai-je pas dit de chercher l'église? Rachetez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Bah, déjà ta gueule. La chrétienté, c'est de la merde! Allez! Schling! Dégager là. Ah, c'est stressant. Il repart là. Ah. Oh, j'ai fait le tour là. Et hop, jling. On va faire attention parce que là, il y a des... Ah. On arrive bientôt à la fin. J'ai un peu rush le chapitre. Coucou. Ah, vous voilà. Enfin. Je vous envoie le chariot, mon frère. Ça ne prendra qu'un moment. Patience, mon frère. Montrez-vous prudent. On va essayer. Cette partie n'est pas stressante. Cette partie n'est pas stressante. Cette partie. Allez, le chariot là! Ça y est presque, mon frère. Ah, j'espère! Allez, montez dans le chariot! Le frein à main, desserrez-le et revenez! Allez, hasta la vista! Adios.
Salut. Enfin, nous nous rencontrons. Vous méritez des louanges pour avoir vaincu mes pièges. L'œuvre d'un homme qui n'avait que trop de temps à gâcher, et dont chaque seconde est aujourd'hui vouée à la rédemption. Vous n'avez sans doute pas l'intention de rester à Ravenholm. Non. Laissez-moi vous conduire aux mines. Ok. Quant à moi, un berger doit garder son troupeau. Surtout lorsqu'il s'écarte du droit chemin. Bah, allons-y. Suivez-moi, mon frère, et marchez délicatement. Cette terre est bénie. Cette terre est baignée. Il court vite, l'animal, hein. Il a l'air d'avoir un peu d'embonpoint, mais... C'est la forme. Ah, il fait attention, quoi. Attention! Ils viennent du ciel! Le danger vient des cieux! Restez près de moi, mon frère. D'accord. Je vais rester près de toi. What? Visez la tête. Allez, Grégory, viens. Pourquoi tu tires, mec? Je n'en pense pas moins de vous. Comment ça? Je t'ai tiré une scie circulaire à bout portant, le mec. Il se l'est pris comme si c'était une canette. Hein. Et ça? Putain, il y a des trucs... Allez là! Allez! Attention! Aïe! Connard! Que la lumière des lumières vous guide! Bam! Il me bat coup de parpaing! Ce qu'il y a! T'es mort! Putain, je vais me faire moi-même, quoi, c'est ridicule. Allez là! Suivez-moi! Pressons, mon frère! Pire ne vous attend dans la tombe. Tu fais. Malheur à vous, mon enfant. Malheur à vous. Malheur à vous. Malheur à vous. Allez, et hop, hop, hop. Je parle pas beaucoup en fait. Il y a peut-être un rapport avec le fait que cette partie me fait un peu stress. Allez, 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 allez. Vite, je tire la porte. Adieu, mon frère. Adieu. Je crains de vous laisser dans un bien sombre lieu. Que la lumière des lumières éclaire votre chemin. Pense
pensez à votre propre salut. Salut. C'est ce rire. Putain, il a l'air de s'éclater. Fiesta chez Grégory. Alors... Il va falloir descendre. Il va falloir des cigarettes. C'est pas drôle. Alors, une vraie partie de non-plaisir. Putain, ils sont combien ? Allez là ! Fallait décimer. C'est parti pour la violence. It's showtime. Quelqu'un d'agressif. Alors, youhou ! Pouf ! On est par où ? Par là. Alors. Ok, c'était pas par là apparemment. Alors, c'est par où ? Est-ce que c'est par là par hasard ? Je vois rien, c'est pathétique. Allez là. Hop. Je ne vois que dalle. C'est par là ? Eh oui, c'est par là, yes. C'est bon. Je suis sur la bonne voie. Je trouve que c'est dangereux ça. Attention. Putain, mais je viens de me faire déchiqueter là. C'est ma première mort depuis le début du let's play. Mort par ma propre connerie. Et allez, avance là. On va se dépêcher, on va se dépêcher, on va se dépêcher. Voilà. Donc ma première mort depuis le début du SP, c'est mort tranchée. C'est pas dingue ça ? Moi, je dis que c'est dingue. Ok.
C'est fou quand on y pense. C'est drôle quand on y pense. C'est dingue. Oh, j'ai... Ah, me voilà à la civilisation. Hop, chercheur Lambada. Hop, j'ai tout, c'est bon. Allez, on y va. Je sais pas où je suis, hein. Vraiment, c'est, je suis très perdu. J'entends des bruits chelous. Alors, ah yes. Je sais qu'il y a un sniper. Et il est mort. C'est moi le plus fort. Ah! Les esquives que je me tape. C'est bien moi le plus fort après tout. Oh, oh putain. Mort. J'anime plus beaucoup finalement. C'est un peu dommage. C'est un peu le but d'animer en fait. S'il y a pas moi qui anime et qui fait des trucs, bah c'est pas intéressant à regarder. Il faut un commentary. Faut pas que ce soit juste moi qui joue. Il faut que ce soit moi qui rende intéressant le jeu. Et même si le jeu est très intéressant en soi, parce que moi j'adore ce jeu, mais si je dis pas des trucs qui font que le jeu est intéressant, alors c'est pas intéressant de regarder, finalement. Est-ce que je dois rendre intéressant ou juste record, parce que j'aime bien ça. C'est là tout le dilemme de... qui est complètement relou. Vous visez comme des pieds, hein. Enfin, je souffre quand même un peu. J'ai un peu mal. Vous me faites un peu mal, c'est le plus beau compliment que je puisse vous faire. J'ai un peu mal. Ça tire. Tous morts. Qui est touché? Winston est touché. Pauvre Winston. Soignez-le et portez-le derrière dès que possible. Gordon Freeman, vous avez réussi. Ouais. Nous avons pu communiquer avec Alix. J'essaie de la recontacter. Suivez-moi. Oui, attends. Y'a pas des trucs pour me soigner? Genre maintenant. Parce que j'ai mal. Je souffre. Et avance là! La souffrance en moi est intolérable. Tu ne vois pas que je suis un homme qui souffre? C'est Léon, tout va bien. Léon. Gordon Freeman est avec moi. Docteur Freeman, vraiment?
J'ai parlé avec Alix. Ils ont capturé son père. Ah ! Par ici, Dr. Freeman. L'élivance est indispensable à la libération. Bah écoutez, peut-être que c'est indispensable, mais moi j'ai mal. Alix, c'est Léon. Gordon Freeman est avec moi. Gordon, vous êtes sorti de Ravenholm. Dieu merci. Eh oui. J'ai besoin de vous. Ils ont enlevé mon père. Ils l'ont emmené à Nova Prospect. Les Vortigons ont suivi le bateau qui a emmené mon père et Bossman. Je vais sauter dans un train tant qu'il roule encore. Puis c'est votre tour, Gordon. Il faudra vous débrouiller, suivre la côte jusqu'à Nova Prospect. Avant, c'était une prison de haute sécurité, mais c'est devenu pire que ça. Je crois qu'il est plus facile de s'y faufiler que de s'en échapper. Vous voulez qu'il longe la côte? Il tiendra pas 5 minutes à pied. C'est la période de reproduction des fourmilions. Bah, c'est dommage, ça. Je vous appelle Léon. J'espérais que vous auriez encore la voiture de reconnaissance. Celle qu'a fabriquée mon père avec le calanto. Ouais, bonne idée. Une seconde. Noriko, sortez le buggy et amenez-le sur le dos. Allez, go. Gordon Freeman va s'en servir. Ok, j'ai monté un bac à munitions à l'arrière. Impeccable. C'est bon, Alix. Tout est prêt. Tout est prêt. Prenez soin de vous, Garnier. Salut, Alix. Salut. Bon, alors, avant de vous lancer, prenez des trousses de secours et des munitions et vérifiez la carte pour mieux vous repérer. Il y a un bac de munitions à l'arrière, si ça peut vous rassurer. Ok. Quittez pas la voiture et utilisez les klaxons. Vous vous en sortirez mieux face aux fourmilions. Je préviens la prochaine base de votre arrivée. Ok. Littoral à Enelo. Littoral à New Little Odessa. Odessa, vous m'entendez? Bon, allez, on y va. Vous m'entendez? Oui, je t'attends. C'est ridicule. Allô, Dr. Freeman. La voiture est fin prête. D'accord. Grimpez, je vous descends vers la plage. Bien, c'est parti. Allez. Bah du coup c'est la bagnole hein. Bon allez, descendez-moi là. Oh, une minute. Désolé Doc. Aïe. Merci les copains. Allez, on y va. Mata. Ah. Les phases en véhicule. Oula, qu'est-ce que je suis en train de faire? Faut aller où? Faut aller où? Faut aller là-bas. Oh purée, je viens de me le faire. Bon broum. Au revoir. Bon, splorche. Ok donc. Allez, bon broum là. C'est pas possible. Mais comment on avance? Et vous avez fini, oui. Plutch. Ah, c'est bon, j'ai trop le chemin. Oula. Apparemment non, hein.
Allez, avance là. Allez, oum. Et c'est... On chevauche la bête. Et c'est parti. Bom 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 bom. Alors, bah. Alors. Ok, génial. Je viens de faire une retournée. On n'a pas vu de ça depuis 87. Hein. Alors moi, mon but c'était de tout éteindre, mais en fait non, faut pas tout éteindre parce que justement, ça permet de chasser les fourmilions. Ça marche pas tellement que ça. Alors, dégage. T'es morte. Alors... On se régénère en munitions, on se réapprovisionne et on y va. Bam, bam, et c'est parti mon kiki. Bam bam. Qui tire. Allez, on va observer la base de Little Odessa. Paf, le coup de pied. Aïe! Saloperie, vous venez d'où? Enculé! Vous venez d'où? Vous arrivez d'où? C'est quoi vos petits noms? Putain, mais... Ah, j'arrête pas de roter, mais je suis le pire des porcs! L'aérophagie est un fléau. Boum! Putain, putain, mais...
florche. C'est qui tire? Là! Et par là! Allez, c'est parti. On y va. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons y arriver. Nous allons poutrer des fourmilions. Et les gars du cartel. Et schlack. Excusez-moi. Où allez-vous? Où allez là? Gordon Freeman. Ouais. Vite, filez au sous-sol. On attend des hélicos à tout moment. Le colonel Cobell sera content de vous voir en vie. Bah, avant. Il est content, mais avant... Bon, on va dire au revoir, en fait. Salut. Non, mais parce qu'en fait, ça fait un peu longtemps qu'on record, donc... On va laisser l'épisode là, hein. Et... Bon, arrête de me suivre, t'es chiant. Et... C'est sur ce magnifique bâtiment. Sur cette magnifique pied de biche. On se dit... Au revoir.